Bonjour, nous sommes ici sur le site des Journées européennes des métiers d'art. C'est un salon qui est organisé par la MOCAS. Je suis administrateur bénévole dans cette association. Ce salon est organisé tous les ans sous l'égide des Journées européennes des métiers d'art. Cette année, nous recevons sur cet ensemble, sur le complexe de la Billardet, 76 exposants. Tous ces exposants sont des professionnels des métiers d'art, c'est-à-dire qu'ils ont un SIRET dans la spécialité qu'ils exercent. Ce sont donc des gens qui ont un emploi, ce sont des gens qui consomment, donc nous sommes là pour les aider dans leur développement économique. Et nous nous sommes lancés dans l'expérience il y a donc 6 ans, avec une certaine méconnaissance des métiers d'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la motivation de porter cette filière et de les aider à exister et pouvoir vivre de leur art. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation qui est reconnue. C'est la plus grosse manifestation des Journées européennes des métiers d'art en Bretagne, avec, je vous dis, 76 exposants. Il n'y a pas d'autre manifestation de ce type en Bretagne sur les GEMA. Aujourd'hui, on pense être rendu au maximum que l'on puisse faire en termes d'accueil, puisqu'il y a un coût financier important, puisque les artisans sont accueillis gratuitement et les visiteurs ne payent pas leur entrée. C'est ce qu'on appelle la charte des Journées européennes des métiers d'art, qui décrit que ça doit être gratuit pour tout le monde. Alors, mon activité, je suis souffleuse de verre et fileuse de verre au chalumeau. Donc, je travaille au chalumeau, des baguettes de verre qui sont déjà colorées, transparentes ou opaques, que je fonds à la flamme et que je forme. Ça me permet de faire des perles en verre. Et je souffle, donc ça c'est avec un autre chalumeau, et je souffle des tubes de verre et je souffle des volumes qui me permettent de faire des sculptures. Eh ben, je trouve que c'est toujours très agréable de rencontrer d'autres professionnels. Et il y a toujours un travail de qualité, donc c'est toujours top d'être ici. Bonjour, je suis Jouan Lydie, je suis tapissier décorateur. Je fais la réfection de fauteuils à l'ancienne et la confection de rideaux, double rideaux. Je suis aujourd'hui aux Journées européennes des métiers d'art. Alors, depuis 2014, donc ça fait 6 ans, c'est la 6e année. Alors en fait, moi, j'aime beaucoup venir au GEMA, ici à Mordel. Déjà, l'organisation est très, très bien. Ça permet aussi d'avoir une visibilité par rapport à mon métier et de montrer aussi aux gens ce qu'il y a dans un fauteuil, parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte de notre métier. Et surtout, le vendredi, quand les élèves viennent, ça permet aussi aux élèves de découvrir ce métier et peut-être après, par la suite, exercer ce métier. Je suis salarié de l'association Amocas. Donc la programmation, c'est de trouver la mise en place du salon, c'est se dire voilà, alors j'ai combien d'artisans je peux accueillir avec les contraintes de chacun.
C'est essayer en tous les cas d'imaginer l'événement 6 mois, 7 mois, 8 mois avant, se dire voilà, donc c'est à telle période, on donne rendez-vous à un public tel jour, telle heure. Moi je suis chargé de la réflexion autour de ce truc-là et comment vont se passer les 6 ou 8 mois à venir pour arriver le jour J avec une proposition intéressante pour tout le monde, quoi. Donc Cédric Vanier, sculpteur en métal et bois. Je fais des sculptures avec du matériel de récupération, des pièces de moto, de voiture, toutes les pièces métalliques qu'on m'amène ou que je trouve, et des pièces en bois aussi. J'ai découvert un poste à souder il y a 2 ans et demi, 3 ans, et j'ai essayé, ça m'a plu. J'ai acheté un poste un peu mieux et on m'a dit que c'était pas mal, donc je continue. On m'a contacté pour venir, on m'a vu sur Facebook, on m'a contacté pour venir, c'est la première année. Si on me réinvite ou si j'ai la palace, oui, je reviendrai avec plaisir. Oui. Moi, c'est Alexandre Granger, je suis apprenti au CFA du bâtiment à Saint-Grégoire. Je suis ici pour faire un épi en cuivre durant ce week-end. Je suis en mention zinc après un CAP de couverture l'année dernière. C'est sympa. En plus, on est à côté de plein de gens qui nous apprennent des choses. On a un couvreur aussi de l'autre côté qui nous aide beaucoup, qui nous montre plein de techniques, qui nous donne même certaines choses pour travailler un peu mieux. Et du coup, c'est toujours bon à prendre de savoir faire plein de choses de manière différente. Mon activité consiste à fabriquer des couteaux. Je suis coutelier, je m'appelle Antoine Faucheux, je suis installé en Mayenne. Et donc en fait, nous, on fabrique des couteaux pliants, on fabrique une gamme de couteaux pliants qu'on a créé, donc l'Anjou. C'est ce modèle de couteau-là. Voilà. On fait aussi des stages de fabrication de couteaux, où vous pouvez venir fabriquer votre couteau et vous repartez avec le couteau que vous avez fabriqué. Eh bien, j'ai une tante qui, non pas une tante quechua, une tante physique, une personne, qui est venue exposer au GEMA ici à Mordel l'année dernière et qui m'a entraîné dans cette aventure. Et puis, comme l'accueil était vraiment parfait, on mange très bien, on a du café à volonté quasiment. C'est vraiment parfait, les gens sont super sympas, on découvre plein d'artisans aussi d'art qui sont dans leurs ateliers et on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer tout le temps, donc c'est vraiment un super endroit pour ça. Thierry Le Bihan, maire de la commune de Mordel, est heureux d'accueillir les Journées européennes des métiers de l'art sur notre commune. L'intérêt est très important puisqu'il est multiple. Il est déjà économique, c'est-à-dire recevoir en fait différentes petites entreprises
qui permettent au contact des habitants, des citoyens, de venir découvrir leur métier d'une part, mais aussi leur création et donc de favoriser cet échange entre les habitants et les entreprises. C'est des petites entreprises, elles ont besoin de soutien. On est très heureux de pouvoir faire ce lien entre les différents habitants.